autoriser les amis à me rejoindre, ouais, c'est bon, normalement. Oh, mais c'est... Enfin, il m'a pas dit non ou quoi que ce soit, hein, juste... Juste ta charge, quoi. On retourne en combat épique, Thérèse? Ouais, j'ai pris le trombone, là, ce coup-ci. Ouais, moi aussi, je l'ai repris, mais j'avais snipé une petite dizaine de squelettes, là, pendant que t'étais mort. Parce que ça avait pop sévère, hein. Au moins 10. Non, 5. Ah, ils ont des flingues. Putain, mais même les squelettes normaux, ils sont super chauds à tuer. Du coup, vous avez fait les nouveaux trucs, là, avec le grand requin, là, le mégalodon et tout? Ouais, on s'est fait emmerder plein de fois, ouais. Ouais, en fait, c'est lui qui vous a fait, c'est pas vous qui l'avez fait, quoi. C'était un peu ça. Bon, est-ce que ça bouge? Tu peux t'occuper du capitaine, là? J'essaie, mais oh mon dieu! Qu'est-ce que tu fais? Je lag. Oh, comme tu lui as offert ton cul là! Ah ouais, bah je me suis fait faire les fesses. Faire les fesses! La flamme des ossements maudits! Oh yeah. Bon bah c'est toujours aussi long à charger par contre, hein? Ouais. Je vais probablement crever. Ah, je suis mort avec un crâne dans les mains. Quelle honte! Et pendant ce temps-là, y'a un mec qui nous récupère les crânes, hein! C'est vrai? Bah, probablement! Mais non! Et bah, c'est ça! Mais non! Ah non, paf, ma putain, il m'a fait peur, le con! Bonjour! Oh, j'ai eu peur là! Mon dieu, on a Je viens de popper! Ouais, c'est ça, mais au moins, tu m'as fait peur, hein! J'ai failli tirer, moi! Ah, attends, parce que par contre, c'est n'importe quoi au niveau de ma souris! Ouais, tu te tournes en rond! Ouais, bah oui, mais ça, c'est. Ça s'appelle un Shadow PC. Ah, mais merde, comprends que je veux aller dedans. Voilà, c'est bon. Effectivement, il y a des crânes. Bon, ouais, juste... Il y en a encore un sur l'île. Non, non, je le ramène. Ah. Par contre, c'est des crânes... Ils sont pas mal, ceux-là, ouais. Bah, du coup, relevez l'ancre à deux, là. Comme ça, on peut partir en cas d'urgence. Attends, je les connais pas, ces bateaux. Elle est où, l'ancre? Attends, déjà, je suis pas au bon endroit. Pourquoi ça tire? Parce que c'est moi qui tente le capitaine. Ah. Ah bah c'est super, je vais récupérer de l'XP. J'arrive, je récupère directement le fruit de votre travail. C'est ça, XP gratuit. Ouais bah c'est nickel, on se casse faire la suivante comme ça. Ouais parce qu'on en avait pas loin. Attends, vide les tonneaux peut-être? Il y a un gars, un squelette qui te court derrière avec une pelle. Juste pour info. Avec une pelle. Bah moi je vois une pelle de loin. C'était une épée. D'accord. Attends parce regarde que... Le fort qu'il y a au cul du bateau, c'est des yeux rouges, pas verts comme d'habitude. C'est probablement bon signe. Il faut forcément y aller en courant. Faut forcément y aller et avec nos crânes qui valent la peau du cul, les laisser sur le bateau pendant qu'on est sur le fort. On continue sur une autre île du coup, on continue notre trésor là. Y'a le bateau squelette qui arrive dans notre cul aussi. C'est quoi le bateau squelette? C'est nouveau ça aussi? Ouais, c'est peut-être pas le bateau squelette d'ailleurs celui-là. En fait maintenant t'as des bateaux remplis de squelettes qui errent. Et quand tu les attaques c'est un event. Y'a des vagues de 5 bateaux je crois. Et quand tu les coules t'as des récompenses de malade. La dernière fois on a réussi à en faire un. On a gagné je sais plus combien de milliers de pièces d'or. Ouais, beaucoup, trop. Mais là, du coup, je suis pas sûr que ce soit un bateau squelette en fait. Sur notre droite, il y a l'avant-poste, le truc tout éclairé là, Sylvain. Fais cap là-dessus. À droite? Parce que, ah ouais, ouais. On va aller rendre les squelettes là. Ça marche. Un squelette là. Attends, il faut que je me refamiliarise avec les trucs moi. Du coup, c'est quoi? C'est les mini bateaux, c'est entre les deux quoi. Ouais, c'est ça. C'est entre le sloop et le galion. Ils ont compris que les gens, ils avaient pas forcément... Des amis partout. C'est pour les gens qui ont des amis, mais pas trop.
Voilà. Pour les petites familles de pirates. Est-ce que le bateau de droite là, il est pas en train de venir sur nous? Le truc vert là? Par le plus grand des tasards, ouais. Mais c'est pas un putain de bateau squelette ça? Je crois pas, parce que regarde, les voiles elles sont intactes. Ah non, et... ouais. Ça c'est des vicieux ça. Bon alors c'est lequel qui vaut le plus cher d'après toi? Crâne recherché sordide, crâne recherché ville. Non, le ville il vaut rien je crois. Ouais, c'est le sordide. Ouais, voilà, donc, les sordides. On s'en prend un sordide chacun. Et on court parce que je pense qu'on va avoir des déboires là, non? Ouais, il vient complètement vers nous. Hein. Au pire, vous faites des tours avec le bateau, moi je fais la petite pute. Bah, vous êtes deux à pouvoir faire la pute. Ouais, bah, alors moi je suis pas le plus efficace des putes. Hein. Si, prends le joli là. Ouais, par contre, les gars, l'encre ou des trucs, en fait. Ah, il faut freiner là? Ouais, on va droit dans le mur là. Mais non, tu tournes. Jette l'encre. Bon, ça passe. Bah, là, mais vous pouvez la jeter. Mais non, mais. Ouais, on aurait été trop bien garé là. J'avoue que c'était un coup de bol ça. Moi j'écoute celui qui saute du bateau. T'as pris un crâne au moins? Oui. Je suis pas non plus complètement stupide. Par contre, je sais plus où est-ce qu'il faut le ramener. C'est la meuf avec. C'est juste à gauche là. La hippie là, je sais plus comment. Ouais, c'est elle. Donc en fait, là vous avez sauté du bateau, donc moi je suis tout seul sur un brigantin. Ouais. Que je vais pas pouvoir réussir à arrêter quoi. Ou à manœuvrer. Ouais, mais c'est pas grave. Manœuvre comme le truc, on a la. Eh oui, comment tu remontes sur le bateau pour récupérer les crânes? Sur la sirène. Eh ouais. Eh attends, il est malin hein. Ce qu'il y en a là-dedans hein. Franchement, j'avais pas du tout réfléchi. Bah ça m'a pas mis les thunes, ça m'a juste mis la répute. Ouais, parce qu'en fait, il y a une sorte de file d'attente quand tu poses des trucs et... Pour l'instant, moi j'ai rien du tout. Enfin, j'ai eu aussi que la réputation donc, ouais. Le premier crâne a rapporté 1200. 1079, non? 1079? Moi j'ai eu 1079, donc si t'as eu 1200, on a eu. Ah, bah, le deuxième était à 1200 alors. Bonjour, bienvenue à bord. Ah! Vous avez des plans là? Attendez, il y a. Ta connerie et nous on va ramener les crânes. Hein. C'est vrai? Attendez, il y a juste une question. Ça vous dérange pas que le bateau coule? Ça te dérange pas que quoi, pardon? Que le bateau coule. Non, il coule pas là. Disons qu'il se remplit un petit peu d'eau. Bah pof, t'aurais pu aller réparer les autres trous. Mais pourquoi, il y en a d'autres? Bah oui. Mais ils sont où? Bah derrière là. Attends, je vais commencer à écumer en fait, parce que là je pense qu'il vaut mieux commencer par ça. Yes. Parce qu'on commence à... Ouais, à avoir pas mal d'eau. Revenez. Par contre, ils ont enfin modifié le truc là où je râlais tout le temps la dernière fois qu'on avait joué. Où c'était pas la même touche pour récupérer les objets et pour les vendre ou je sais pas quoi. Ah si, c'est toujours pareil ça. Ah bah non. Je sais pas, moi j'ai appuyé sur F pour vendre alors qu'avant c'était R je crois. Ouais, bah... Ah peut-être pas pour vendre alors, mais pour leur parler c'est R. Ouais je Il sais pas. Il reste plus. Un crâne à vendre ou pas là? Oui, il y a un crâne probablement sur le pont et ouais. Moi j'ai pas de sirène. Tu veux que j'y aille ou tu veux y aller? Oh vas-y. Ok, j'y vais. Je vais essayer d'accoster proprement. Tu veux que je... Comment on fait pour poser déjà? Tu t'appuies une fois et X. Ça se déclenche. F. Ah, ouais, c'était X. Ah que oui. Je... Posez, ouais. Tu me dis si quand tu veux que je jette l'ancre? Ouais, vas-y. Ok. Elle se jette lentement quand même. Hein. Eh ouais, mais parce qu'on est habitué au sloop. Là, faut que t'ailles plus à gauche, pof, pour l'attente. Ah ouais, ok, je vois où on est. Enfin, je fais semblant de voir. Ouais, tu le fais bien en tout cas, semblant. Pourquoi c'est pas là? Des poulets de canon récupérés sur l'île. Ouais, j'en ai récupéré quelques-uns, je suis en train de vider. Parce que des planches, on a pas de zob en planche. On n'a pas beaucoup de ressources, on pourra en profiter de cette île un peu là. Ouais. Maintenant qu'on a là, à peu près bien... Valait beaucoup celui-là. Putain, le crâne de l'année quoi. Du coup, vous voulez quoi? Récupérer des ressources? Ouais.
Eh bien, faisons ça. Il nous faut des planches, il nous faut des boulets de canon. Mais c'est si plus on a ces boulets de canon, on peut aller se tenter le bateau, parce qu'en fait, c'est un bateau squelette. Y a pas un truc pour récupérer ce qu'il y a dans les tonneaux comme avant, là? Parce qu'à chaque fois, ça ouvre un truc de... non, d'inventaire. Non. Ouais, ouais, c'est ce que je te disais, c'est ça qu'ils ont changé, et c'est de la merde. Ah ouais, c'est vraiment de la merde, ouais. C'est de la grosse merde. Bah disons que tu prends 30 secondes pour un truc qui prenait un millième de seconde. Non, j'exagère pas. Je ne suis pas du tout dans l'exagération. Et hop là ! N'exagérons pas trop. Et en passant, s'il est pas déjà parti, bonjour Aldra sur le chat. Voilà. Bonjour ! Bonjour ! Putain, mais je n'arrive plus à trouver les raccourcis là, du shadow de merde. Du coup, j'ai l'air d'un trisomique qui tourne en rond. Ils sont commencés à être sévèrement pillés, ces tonneaux-là. Et en fait, le bateau, il fait le fort. Il s'est garé à côté du fort. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Il s'est garé à côté du fort. Ouais. Ouais, le fort, c'est déclenché. Ciao. On l'a jamais fait, ça, un fort. On s'est jamais foré quoi, on a jamais fait les forains. Bah en même temps, on a déjà pas tué 3 squelettes alors. Si on y arrive, on a une méthodologie et ruse. Ah, voilà un tonneau qui fait plaisir. Bon, je peux mettre le bateau, je sais plus où il est. C'est okay. Le truc avec les voiles. Ouais. Écoute, moi je ramène 3 boulets. Ah bah on peut même dire 4 hein, si on compte moi. Mais on peut même plus charger les boulets Attends. Tout stocké. Mais en fait c'est débile parce que comme c'est mono objet, quel est l'intérêt de t'afficher un truc Ouais non là ils ont un peu déconné là. C'est le jeu, il est vivant. Il vit. Il faut des mises à jour. Putain, on a que 40 bananes et 34 planches, franchement on n'est pas folichon du steak là pour faire par contre, un truc. Enfin on a toujours l'impression de diriger un paquebot sur le sol quoi. Oh non, j'ai chu dans l'eau. Oh litueux. Il a chu. Hop là. Il a chu. Chu. Oh un tonneau. Oh, il y a beaucoup de choses. C'est quoi un boulet de paix? Ouais, non, mais on n'a jamais trop compris ces boulets. Clique dessus, ils te disent ce que ça fait, mais c'est... On n'a pas compris comment l'utiliser trop. Puis dans la panique, tu tires. Bah, ouais. Je pense c'est un truc pour quand tu réussis à toucher ta victime, elle a pas le droit de... elle a plus le droit de tirer sur toi. Ouais, mais il faut se faire caler, quoi. C'est pour le charger. C'est surtout faut réussir à tirer sur la personne, quoi. C'est ça, parce qu'au niveau des... Dans la panique, surtout si t'en as qu'un. C'est pas très très fort au niveau des canons. Y'a plein de boulets de canon dans l'auberge. Ok, on va se planter ce bateau là ou pas? Quel bateau? Ben non, on fait nos quêtes, non, on a dit. Okay. On a attendu qu'on attendait le moment opportun avant de... Moi je mettrais bien quoi que ce soit en PvP. Non mais je pense que c'est un bateau squelette, hein. Ah ouais, mais on a que 40 planches, mec. On va faire quoi? Rappelle-toi, la dernière fois, on avait passé 100 dans les planches. Bah, couler. Bah, c'est parfait. C'est rigolo, alors... ça. Couler, on va couler. Ça, c'est une bonne stratégie. Bon, je suis sûr que c'est le genre de truc qu'on peut réussir à faire en plus. Hein. Ah, oui. Oh, ce serait mal de connaître que de dire l'inverse. Personnellement, j'ai déjà fait ça, donc je peux vous donner mon expertise. Ah, attendez, parce que j'ai pris. Je suis parti chercher des boulets. Je mets tous les boulets dans le tonneau en bas à droite. Ah d'accord. D'accord. Comme ça au moins on va chercher celui-là, enfin c'est plus logique. Comme ça au moins. Voilà, là on sait qu'on a masse boulet quoi. Qui c'est qui se sert d'une Tigoine devant son PC? D'une quoi? Non, c'est Canaille. Merde, je sais plus. Canine. C'est le chien. C'est le chien. C'est le chien. Ah. Et du coup, il me monte dessus.
Oui, c'est de toi qu'on parlait. Allez, casse-toi, trucu. Ah bah si, ça rentre-moi la gueule en plus. parce que chef, ça rote. Ah ouais, ça rentre. Ouais. D'accord. Quand c'est super stressé et que ça mange trop vite, ça rote. Ouais. Comme Claude. Comment il s'appelle ton chien, toi, Sylvain? Ozzy. Ozzy, comme Osborne. Exactement. Et ça va, il va bien? Tout à fait. Vous l'appréciez? On l'apprécie. Il a On mangé des l'apprécie meubles? grandement. Non, franchement, il a pas fait de conneries, il est propre, il est Bon, comme vous avez de la chance. il a défoncé Grisou quand même. Ouais, bah si ça peluche, c'est normal qu'il a défoncé. Ouais, c'est vulgaire. Ouais, il a passé 3 mois à lui faire l'amour et maintenant il en a eu marre. Il avait besoin de changement. Voilà. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et ou qu'un Exactement. croc. Un pas de chihuahua. Un chihuahua. Eh bien, des bananes. Putain, mais moi j'arrive pas avec ces nouvelles touches là. Ouais, faut s'y faire, hein. C'est un peu relou. Et puis, il y avait des limites avant sur le nombre d'objets, parce que là, 5 bananes à la fois, c'est un peu casse-couille. Hein. Ouais, si, ouais. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Eh ben, c'est un peu casse-couille. Hein. Je tenais à le dire. On va le réécrire. C'est un Ah, peu mais casse-couille. je peux me mettre une moustache. Oui, je sais que c'est pas le sujet, là, tout de suite. Mais c'est quand même super. Est-ce que t'as vu qu'on a une coque noire et une figure de proue? Ah, j'ai Et même pas des fait fois, attention. ce bâtard, aussi. Des Je fais un poils? petit AFK de 2 minutes pour revoir mon imprimante 3D, je reviens. Ouais, c'est ça, ouais. Le mec il se la pète, ouais, j'ai une imprimante 3D. Un petit Va voir AFK un imprimante de 2 habillé. minutes pour voir mon imprimante 3D à 5000 boules Ouais, voilà. qui est en train de m'imprimer un pass au club VIP des gens bien. Excusez-moi, je reviens, je vais compter mes stock options. Bon, on devrait quand même avoir pas mal de trucs là, non? Bah moi je ramène 4 bananes là. Ah, je participe à l'effort, c'est bien. Attends, j'ai ramené genre 10 boulets aussi à un moment donné. Ou peut-être 4 aussi, je sais plus. Ouais, bah le bateau il est toujours stationné au fort, donc soit il fait le fort, mais Alors juste pour info, pense pas. moi je sais plus du tout comment on fait les touches, genre sortir ton épée, tu vois, par exemple, je sais pas comment tu fais. Tu roules la molette. Ah, c'est la molette. Et du coup, tu fais comme Ouais, ça. la molette, tu roules entre l'épée et Il n'y avait pas un entre truc l'épée et pour. l'arme. Et si tu mets des planches, tu appuies sur A. Ah non, moi, A, j'ai un saut. Ouais, parce que ça prend le dernier truc que t'as sélectionné. Ah, ok. Et du coup, le truc avec l'épée là pour aller vite, c'était pas clic droit? Parce que ça marche plus. Non, clic Gauche, tu gauche, laisses appuyer. tu laisses appuyer. Allez, t'es bon Ah. dans l'eau, voilà, Bien c'est sûr, bien. voilà. Allez, vite, Allez. enfant. Y'en a marre. Putain, les Mongoliens, quoi. Et là, ça, tu fais comme ça, et puis toi. Et là. Hey! il a Et donc, qu'est-ce que réussi! tu fais? Bon, on Moi. va se faire Ah, ton je suis bateau, là. tombé. Il y a quand même pas mal de Attends. trous, hein. On fait les violents par rapport au Au bateau physique de squelette, l'épée, alors. là. Attends, j'ai un. Attends. Oh putain, j'avais une notification à la con Windows Defender qui voulait pas se barrer. C'était vachement pratique. Voilà, j'ai raconté ma vie, hein. Vas-y, vas-y. Mais tu le vois où ce bateau squelette? Bah, t'inquiète pas. Prépare-toi juste à bourriner le. Faut bourriner quoi, le canon? Ouais, mais attends. On va d'abord vérifier que Ah, c'est mais. bien un bateau squelette, parce Attends, que je crois sinon que on je le peut vois, pas c'est le aller truc qui est à spécialement. Lille là-bas là. Ouais. Bah non, mais Alice, c'est pas du tout un bateau squelette, c'est un bateau PVP. C'est Non. des gens. Non, Mais c'est pas des si, gens. au fort. Ouais. Au fort, ce sont des gens, c'est un brigantin. Putain, mais le crâne a disparu, donc ça veut dire qu'ils viennent de faire le fort, donc c'est le moment d'intervenir là. Pour se faire C'est buter? quoi? Alors. L'idée première, c'est d'arriver et de les tuer, de piquer leur butin. Tu veux dire le truc qu'on n'arrive jamais à faire? Exactement, mais qu'on n'a jamais tenté non plus, donc Si, une c'est une fois je grande me première. souviens, une fois on l'a fait et ça marchait pas. On l'a fait une fois et même qu'après on était mort. C'est quoi, je vais prendre des planches d'avance dans mon inventaire.
Ouais, prends des boulets aussi, comme ça tu pourras enchaîner. Il y a des tournois à droite là, on s'en bat les couilles ou... Ouais, ouais, tout à fait. J'en ai pris des boulets. T'inquiète pas, je suis expert là-dedans. Ils ont remonté les voies là. Ils ont remonté les voies là. Ils sont en train de charger. Donc restez sur le flanc droit et vous bourrinez. Ok, d'accord. Très bien, faisons comme ça. C'est les boulets. J'ai des bananes et des planches quand même, hein, au cas où. J'ai quelques bananes. Ah ouais, moi je vais prendre des bananes aussi. Moi j'ai pris un canon, hein. Je suis sur le flanc droit là. Hein. Tu m'as pas vu plus à droite que ça. Hein. Je vois pas du tout où je vais, par contre c'est assez relou. Bah tu vas. Y a un galion qui arrive. Ouais, y a deux bateaux parce que j'entends des tirs de canon. Est-ce qu'on se barrerait pas sinon? Après on a rien à perdre. Hein. Ma dignité? T'as une dignité toi? J'en avais un moment, mais... Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné hein, sur ce jeu. Moi, à chaque fois que je joue, je meurs, donc... Mais c'est le bateau pirate, Sylvain, le galion. Mais c'est bien, le ça. Bateau, le bateau squelette. Mais du... Eh ben, enculez-moi tout ça. Très ouais, bien. C'est le bateau squelette. Moi, je... Qu'est-ce qu'on fait? On attaque, on tue tout le monde, là. On tue tout le monde, d'accord. On n'y arrivera pas, on avait quoi. Ils ont pris pour cible, là, non? Non, le bateau squelette attaque le petit navire. Putain, c'est notre moment, les gars. On tire, c'est parti. Soyons quoi. Ok, bah si on tire, on tire. Ouais, bah alors vise le bateau squelette, toi. Bah là, je peux pas parce que on est pas assez à gauche, mais. Dès que je pourrais, je viserai. En fait, j'ai les voiles qui me cachent, je vois pas trop où est le bateau squelette. Il est bientôt à portée de viser. Je tire dessus. Putain, j'ai tiré beaucoup trop, je suis vraiment en trop de balles. Ah, le bateau squelette là, allez-y. Putain, j'ai tiré beaucoup trop bas, je suis vraiment nul. J'ai plus de canon. Putain, j'ai tiré beaucoup trop bas, je suis vraiment nul. T'inquiète pas, je suis là aussi. Je crois que je l'ai touché, mais je suis pas sûr parce qu'il y a un caillou. Tu vois les croix quand tu le touches. Ah bah non, alors. Attends, mais comment il a pu partir aussi à droite lui? Je crois que j'en ai mis aucune. Mais c'est un véritable plaisir. Ah mais alors là j'ai carrément pas tiré dessus. Oh mais moi je dors les gars. Wouhou. Donc là on va droit sur la... Là c'est bon, j'arrive à lui tirer dessus. Ah ils m'ont foutu la flotte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah là il faut les bourriner hein. Il faut déjà conduire parce qu'ils m'ont foutu la flotte. Alors écoute, moi je vais conduire parce que de toute façon j'ai plus de boulet sur la... Je peux pas sauter moi. Attends, ils sont en train de nous foutre à la flotte. Le bateau il est quasiment coulé là. Bah ouais, mais parce que vous êtes personne à réparer. Bah ouais, mais on peut pas réparer et tirer en même temps, on est que 8 hein. Ouais, bah allez réparer, ça c'est la priorité. Je répare. Mais c'est très très lent et je suis quasiment noyé. Et comme Vincent et de l'eau avec OP au pire. Ouais, mais le problème c'est que s'il vient m'aider, en fait lui il se fait buter aussi, non? I'm a coping. Attends, y'a plus de trous? Y'a plus de trous là. Ça compte ou pas? I'm a coping also. Ah merde, il reste un trou. Attends, je vais le boucher. J'ai toujours pas de sirène là parce que en fait vous tournez autour de moi. Putain, la misère. Et bah si on tourne autour de toi, monte. Bah ouais, j'essaie. Mais vous êtes à peine un peu trop loin. D'ailleurs, On va toucher! On me signale sur ce magnifique chat que je n'ai pas le temps de lire vu les événements qu'on dit tribord, on dit pas flanc droit et qu'on est vraiment des cons. Ah, mais ça c'est pas nouveau ça. On dit un peu ce qu'on veut aussi en même temps. Le moyen mémotechnique c'est qu'on s'en bat les couilles. Attendez, d'accord. Non, c'est pas ça. Moi j'aime bien flanc droit. Moi ça me rappelle un peu les biches. C'est qui tire là? C'est quoi? C'est moi, je nique le bateau là. Oh putain! Je me suis pris un truc dans la gueule. Oh, vous avez coulé là non? Oh, on est plus. Je fais plus partie du bateau. Ah, mais ok, ils vous ont fait péter des tonneaux dans la gueule non? Je sais pas, il y a un gros truc qui a pété. Et là en fait, ouais. Ils sont plus à portée. Et peut-être quoi, qu'il faudrait qu'on s'éloigne, non? Non, on est plus sur le bateau, mec. Mais moi, je suis sur le bateau. Ah, moi, je me suis fait éjecter. Essaye de le réparer le bateau. Ouais mais non parce que là en fait il est en train de couler.
Et du coup, je suis plus dans le bateau non plus, parce qu'en fait, l'eau, elle était sur le pont. Donc du coup, j'ai préféré sortir du bateau. Je suis sur leur bateau, moi. J'arrive, Vincent. T'es sur leur bateau? Ouais, mais tu t'as pas accès à la map? Ah bah non, le bateau a coulé, notre bateau. Bon, là, là. Bah, notre bateau, il est en passe de couler, là. Ouais, il est là, il est en vertical. Hein, le nom du fort sur la map, qu'on puisse le retrouver. Ah, mais je suis... Ça, tu coules, tu vas récupérer un bateau et tu reviens... Mais j'ai pas de map. Elle est où, la map? Ils ont environ 4 coffres et 5 crânes sur le pont. Et ils sont que 2. Mais je suis en train d'aller. Moi, je pourrais leur piquer là, mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on ait un bateau pour les ramener. Bah, en fait, moi, je suis pas loin de leur bateau, donc je peux venir aussi. Je suis à côté de ouais, toi mais en fait. Sauve le nôtre, sauve le nôtre. Mais je, ne suis plus dans le nôtre. Le nôtre, il est coulé déjà. Je t'ai dit, il était à la verticale, donc j'ai sauté. Ah merde. C'était Titanic. Fallait pas que tu le fais, ça. Je les ai butés. Vas-y, pique-leur les coffres, saute dans l'eau et barre-toi. Prends le plus gros. J'ai pris le coffre de place forte. Je sais où on était. Je vais essayer de conduire un brigantin tout seul. Ok, d'accord, je suis sur un... Pourquoi j'arrive pas à sauter, putain? Ah, pouf! Derrière toi, y'en a un! J'arrive pas à sauter! Mais moi non plus! Mais on peut pas sauter avec le coffre dans les mains. Mais j'arrivais pas à sortir du bateau! Pareil. Mais c'est débile, en plus j'avais chopé leur crâne qui brillait le plus, là. Je sais pas lequel c'était. Moi j'avais le coffre de place forte. On aurait dû y aller dès le début, les faire chier. Ouais, mais en fait, on aurait pas... Enfin, là, maintenant, on aurait pas pu faire grand-chose à part couler leur bateau, sinon ils font que respawn dessus et... C'était quoi le nom du fort, vous en rappelez ou pas? Non, parce qu'on était pas partis. On était où? On était à Cannon Cove? Non, on était à Rapier Island, on retournait vers l'avant-poste Sanctuary, et ensuite, on allait vers le fort de... Tu te rappelles vers où tu capais, Sylvain? Non. Oui. Regardez le... Ça va rien comme ça, le genre. Ouais, parce que on était pas parti pour faire ça en fait. Mais on était parti pour rien faire à la base. Moi je voulais juste faire des quêtes. Alors. Et en plus, on avait plein de boulets, plein de trucs et là on a plus rien, je suppose. Ah, mais non, le bateau est totalement démuni. Mais il y a une épave à gauche si ça vous intéresse. Il nous reste 3 boulets. J'ai fait une blague. J'ai pas entendu. Je viens de la comprendre. J'ai dit, il nous reste 3 boulets. Ah, oui, ça, oui. Trois bons gros boulets. J'aime bien, pof. J'ai fait une blague. À droite, il y a une épave là, celui-là. Bien. Ouais, et il y a un fort juste dans la derrière. T'as vu qu'il brille et tout. On peut essayer d'aller se faire quand même le fort. Allez, on fait ça. J'en ai marre d'être des pédales. Allez, il nous manque un. Ah, c'est homophobe. Bien relever la. Bien relever l'encre, ça. Il nous manque un personnage dans l'équipe. On parlait de moi? Bah, moi je suis en train de récupérer des ressources en fait, j'ai des planches et des boulets. Ah ouais, mais là les boulets on va pas en avoir besoin, je pense. Ok, super, j'essaye de me rendre utile. Directement on me dit que je fais de la merde. On fait des pas avant, c'est bien ou pas? Les boulets, c'est nous. Ouais, si tu veux. J'arrive. Trop tard. Trop tard, tu prends la sirène. Vous êtes des connards. Espèce de grappe. On s'arrête à l'épave là, si t'es chaud pour nager. Ouais, voilà, fais-toi un petit peu. Putain, mais j'étais pas loin en plus, arrêtez d'accélérer. C'est vrai que j'ai vu tomber dans l'eau comme une merde. Ah putain, mais oui. J'étais vraiment genre à 1 mètre de l'échelle et j'ai pas réussi à vous choper. À gauche, c'est bien, à gauche, c'est bien. Oui, oui, j'essaye. Bon, je vais m'éloigner parce que sinon je vais jamais avoir la sirène. Si, pop assez vite. À base de pop. Vas-y, cap tout droit maintenant, remets ta barre droite et tu seras bon. J'essaye. Hey, putain, mais ça... la sirène elle est super loin. Je lui fais un accostage. Non, moi je jette l'ancre comme un gros sale, hein. Les voiles on verra plus tard. Oui, mais attends, je me mets bien près de l'épave, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais. Tu sais, j'aime bien quoi, ça frotte un peu là. Ouais. Ah, oui, qu'on utilise les planches pour rien, ça c'est pas mal ça. Exactly, motherfucker. Vas-y. Ah, c'est Marauder Revenge. Je suis presque à la sirène, hein, j'en ai juste pour 10 minutes à faire. Pardon, pof. C'est pas moi qui étais à la barre, moi j'étais juste à la voile. Ouais, vous inquiétez pas, ça me permet de manger mon sandwich. Sandwich à quoi? Au fromage.
nourriture, c'est déséquilibré ce que je vois. Mm. Le pain et le fromage. Bon, Oh oui. Merde, non, comment on fait. Merde. T'entends Vincent ou pas quand t'es dans le... Ouais, j'entends, mais je suis en train de crever moi. D'accord, on est bien, belle équipe. Bah, je lag sa mère, la pute quoi. Salut, Paf. Pourquoi, il est en... Pourquoi il est en train de crever? Comment tu fais pour parler dans le. Avec ça là. Pas comme ça. Sérieux, il y a un objet pour parler? Ouais, un porte-voix. Mais il est où? Ah oui. Beat. Ça marche ou pas? Bah non, mais il faut pas activer là. Beat. La discussion vocale dans le jeu. Couille. Merdou. I'm alive. Faut que c'est... Je crois que c'est Alt par défaut, pof. Alt? Comment ça, Alt? C'était pas mettez totalement vide, ne venez pas ici, c'est vide. C'est vrai? Bah, complètement, je viens de faire le tour, je fais crever et nique ta mère. Nique ta mère. Touche d'activation du micro. Ah oui, effectivement. Beat. Voilà. Non. Ouais, mais il faut que tu. Vas-y. Beat. On t'entend pas. Mais non, mais je pense que c'est comme d'habitude, le micro il marche pas et comme la dernière fois là, quand il trouvait pas mon micro. Ouais, faut relever l'encre, les gars. Ouais. Relève l'encre. J'ai que du fromage dans mon pain et c'est déjà très bien et c'est un pré-repas. Plus vite, bande de merde. Alors. Vous voyez le crâne en face? C'est là-bas où on va mourir. On va encore à un endroit où on va mourir? Il y a un bateau squelette à gauche. Ouais, mais on n'est pas du tout équipé pour le bateau squelette. Ouais. Tu veux y aller quand même? Non. Non, non, on va tenter le fort. Ce serait sympa. Sympa, Nunu. La voile, là, le bras cassé, là, putain. Mais je m'échauffe pour le fort. De toute façon, tu nous fous toujours le vent de face, toi. Mais ouais, mais bon, j'y peux un peu rien, si tu veux. Comment on fait pour la bouger, la voile, là, de gauche à droite? J'ai l'impression que ça marche pas. C'est pas cette corde. Ah. Ah oui, ça marche mieux. Y'a un bateau en face, non? Y'a un bateau là. Ouais. C'est un bateau pirate? Non, c'est un galion ou un brigantin, je sais pas. Ils vont sûrement aller sur le fort aussi. Mais merde. Franchement, sur le sloop là, on voyait beaucoup mieux. Hein. On est oui, pas mais... un peu trop proche des éléments ici, là, je trouve. Ouais, mais attends, on va sur quel fort là? On va au fort du monde. Tentons le bateau squelette plutôt, va, non? Mais on n'a pas de boulet, on a rien. Si tu refais ta blague, pof, je te tue. La bouche pleine. Ah. Pas de blague à la bouche pleine. Non, ils sont en avant-poste, non le... Ouais, c'est un galion. Putain. Mais non, c'est la tête du fort que tu vois là. Mais non. Tu vois le nuage, un peu sur la gauche. Ouais. Bah y'a un bateau et des lanternes allumées. Au niveau de l'avant-poste. Oh, c'est un brigantin ça. On a quelques-uns des boulets quand même hein. Je parle pas de nous ouais. Hein. Ah, y'a des tonneaux à droite. Un prof. Oui. On jette l'encre, vas-y jette l'encre. Quoi? Mais non, pourquoi? Mais si, on les fait. Parce qu'on a 50 boulets quand même. J'étais en train de faire un inventaire, vous êtes parti? Ouais, mais vas-y, reste sur le bateau au cas où. Ok. Que tu sois le premier à mourir. Ok. 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 Je me suis jeté dans l'eau pour ça. Ok. Ok. Ah, par contre, niveau banane, ils étaient bien. Mais... Il y a de la ressource hein, à récupérer là-dedans. Vous voulez que je vienne ou que je meure?
Non, oh, vas-y, viens. Vas-y, ouais, parce qu'il y a finalement, il y a pas mal de trucs en fait. Il y a pas mal de trucs. Vide ton inventaire avant de sauter. J'ai vidé mon inventaire. Ok. Parce que j'étais en train de faire le tri des moulets. On était trois. Ok, le jeu vient de me faire descendre d'un mètre dans l'eau, mais je sais pas pourquoi. C'est une vague. Oh, c'est donc ça. Je m'y connais pas bien en maritime. Ah oui, mais moi j'ouvre que les tonneaux vides en fait, je suis un peu stupide. Balle. Ok, donc en fait, quand j'avais dit que j'avais vidé mon inventaire, c'était faux. Parce que les bananes, par contre, j'en avais dans mon inventaire. Et puis les planches aussi. Non, en fait, j'avais juste de la place pour des tonneaux. Bah, les tonneaux. Des boulets ? Non, les boulets, c'est moi. D'accord. Merde, je sais plus, ils sont à Babor ou boulets, à Tribord, ouais. les tonneaux. Ils sont à gauche. Non, ils sont à droite, du coup. Non, ils sont à... Ah ouais, ils sont à droite de notre bateau, ouais. Donc ils sont à Tribord. Aucune idée. Ah, on parle des tonneaux, là, pas des boulets. Je suis en train de me péter le bide de bonbons. Bon, bah... Je veux pas m'auto-balancer, mais en fait, je ramène trois planches, quoi. Mais non, c'est pas possible, il y a des tonneaux, ils étaient full banane et full tonneau. Et full tonneau, ouais. Full boulet, bah ouais. Là, celui-là, il y a encore deux planches, je vais en piquer 7. Ouais, mais en fait, les boulets, moi j'en ai eu aucun. Et j'avais de la place que pour ça parce que je suis un débile. Ah. Oh. You know ? Je vois. Ouais. Putain, ils sont gros, ces vagues là. Casse les couilles. Putain, mais j'arrive pas avec cette. Ces touches de merde là. Elles se rangent où les bananes ? Tout au fond du bateau là, dans... Tout au fond ? Dans les tonneaux du fond ? Bah non, pas du tout. Voilà, derrière les... Ok, d'accord, j'ai trouvé. Merci. Ok, ferme vos gueules. Arrêtez de dire que je suis un débile, c'est bon. Et du coup, enfin... Vous êtes de quel côté ? Ah oui, c'est bon. T'as fini de te gratter, toi ? Il y a encore pas mal de ressources à récupérer là. Ouais, j'arrive les poches vides. Putain, il reste plein de bananes, plein de planches. Bon, plein, ça va. C'est pas non plus. Il y a un tonneau, il y avait 7 planches dedans et 7 bananes. On va encore passer une demi-heure à ramasser des ressources. Pour crever en 30 secondes. Pour un kraken, ouais. Putain, c'est vraiment nul cette nouvelle. Interface. Ah, ouais, je crois. Bien que je croie. Je crois que je viens d'entendre sonner. Et alors ? Mais je vais AFK 2 minutes. Ah, mais quelqu'un qui sonne chez toi ? Non, pas du tout. Mon imprimante. Ah. Qu'est-ce que t'imprimes ? Un cylindre. C'est pour faire un sextoy ? Non. C'est pour faire un petit moteur. Pour un sextoy ? La question est toujours valable. Le mec. Ouais, et pof. Oh là là. Oh, vous êtes entre couilles. Oh, vous êtes entre couilles. Oh là là là. Elle te parle bizarrement quand même, hein. Elle parle au chien. Hein. Moi, ça fait longtemps qu'elle parle plus. Oh, n'importe quoi, mon cucu. Oh. Elle parle à qui, là? Okay. Je sais pas trop, là. Passe lui le bonjour. Y'a Pof qui te passe le bonjour. Enfin... Ouais, c'est ça, ouais. T'es sur le bateau, Pof ? Non. Non, je suis retourné chercher les dernières bananes. Pour me faire un banana split. Ce tonneau est vide. Ce tonneau est vide. Ce tonneau est pas vide. Mais putain, mais comment je me suis démerdé ? J'ai pas posé mes planches. Nique ta mère. Ah bah là, franchement, il n'y a plus beaucoup de trucs, je crois. Hein. Je crois qu'il n'y a rien, il restait 5 planches et je sais pas comment j'ai fait, j'ai pas posé les planches.
Ce qui veut dire qu'à un moment donné, je suis allé regarder les planches et j'ai tout gardé. J'ai regardé et tout gardé. C'était nul. C'était pète couille. Bon bah du coup je reviens. Donc ce que je vous propose c'est de partir là une fois que je suis en bas de l'échelle et que je peux pas monter. Ah voilà, c'est... je vous entends le faire hein. Mais non mais ouais mais mes trois plombs vont remonter tout seul. Ah oui mais c'est vrai qu'il est AFK. Ouais. Away from QQ. Away from Kleber. Away from Karl Marx. Il y a Aldra qui est... je sais pas si c'est, si c'est exactement ça, mais j'ai l'impression qu'il est totalement ébahi par ta femme qui disait « Vous êtes entre couilles » en parlant au chien. Il a marqué « Entre couilles XD, j'en reviens pas ». Ah bah ouais. Comme ça qu'on dit. Ah, il y a putain, il y a encore un bateau. C'est un truc squelette ou pas là devant nous? Devant nous, je le vois pas. Il y a une île, il y a un bateau collé à l'île. Attends, je vais aller au bord du truc là parce que. Enfin, je vois les vagues moi donc c'est pas. Côté en face du, non, du crâne. Je vois les vols donc c'est des joueurs. C'est sûr, c'est des joueurs. Putain, mais comment tu le vois toi? Chier, putain. Moi j'ai des voiles. Ah oui, non, oui, elles sont relevées. Mais elles sont. Mais c'est comme s'ils prenaient feu le bateau. C'est normal ou. Quoi? Je sais pas, je vois des trucs qui brillent, mais j'ai pas l'impression que ce soit leur lampe. Ou alors c'est un bug d'affichage de leur lampe. Parce que c'est comme s'il était enflammé le bateau. Ouais, ça doit être un bug d'affichage des lampes. C'est leur lanterne. C'est nul à chier en fait. On passe à côté d'eux, on leur impose notre charisme, et comme ça, tout se passe bien. On continue notre route, ils continuent à l'heure, nickel. Tu veux que je prenne les canons au cas où? Au cas où, mais... Oh putain, c'est une tempête ça. Oh là là, bah, bah. Je vais prendre quelques boulets alors. Attends, je comprends pas. Pourquoi il y a des boulets qui ont disparu, mais que j'en ai pas dans mon inventaire? Est-ce que ce jeu est bugué? Ah mais parce qu'il y a trois tonneaux différents, donc ça dépend dans lequel tu regardes. Mais en fait j'essaye d'en prendre et il en prend pas. Ah bah si, en fait il y avait juste un énorme lag, je sais pas pourquoi. Et attends, ce serait pas les mecs qui viennent faire le fort? Ça y ressemble fortement quand même. Tu veux qu'on les bute? Bah non, parce qu'on n'y arrivera pas, mais c'est exactement la même coque. Ah merde, mais j'ai j'ai calé le boulet de la paix sans faire exprès. Ah non, c'est un boulet de gouvernail, je sais pas ce que c'est en fait. Tente de me sniper le mec. Vous faisiez quoi là? Il y avait un bateau à l'avant-poste, il tente de nous sniper. Et il m'a semblé en voir un à l'avant-gauche. À l'avant bâbord, je sais pas quoi là. À l'avant du bateau. Côté cœur. Deux secondes, je reviens dans 30 secondes, j'attends juste qu'elle réchauffe là et j'en relance une autre impression. Faut tourner un peu à gauche, là on force comme un truc. Y'a un galion devant nous. Ouais, faut tourner. Ouais, ouais, faut tourner, ouais. Ouais, c'est bon, tu peux retourner à droite. On nous dit dans le chat, Proubabord. Proubabord, voilà. Merci. Et sinon, prou avant, poupe arrière. Le prou, la prou, c'est devant. Mais ça, c'est simple à retenir parce que t'as figure de prou. Alors que poupe. C'est droite-gauche que j'ai du mal. Mais il y a une astuce en fait. Tribord, ça finit par un D, donc c'est droite. Et babord, ça finit par un D et c'est pas droite. Non, c'est pas ça. D'accord, ok. Si tu veux, pour moi, tribord, c'est des maillots de bain et babord, c'est. Un youtubeur. J'étais sûr que t'allais dire ça. Par contre, en fait, j'ai retourné beaucoup trop vite parce que là, on refonce dans les cailloux. Donc, je retourne à nouveau. Je vais prendre la barre, Dan. Tu sais, moi, je suis pas très bon barista. Je suis pas très bon barista. Par contre, j'ai un boulet dans la main, si tu veux. Nickel. c'est celui-là, le fort, là? Je ne sais pas.
Je charge nos canons au cas où, on sait jamais. Alors, bâbord, c'est gauche, car c'est la partie gauche du mot. D'accord, t'as des planches sur toi, Pof? J'ai des planches sur moi, tu veux que j'aille plancher? Bah attends, pour l'instant ça peut vous toucher, mais... Je reste en bas au cas où. Ouais, bah ouais, ça va. Ou si tu veux, je monte et je tire, mais... Oh putain, mais je me suis pris un truc, mais en plein dans ma gueule. Ok, d'accord, je reviens, je suis mort. Qu'est-ce qui s'est passé, excusez-moi? Alors là, le problème, c'est qu'on se prend pas mal de tirs, donc... Des tirs de quoi? Des tirs du cul. Comment on fait pour aborder un fort sans se faire défoncer la gueule? Quelqu'un m'explique, hein? On les appelle avant, comme ça, tu leur dis, mais non, mais c'est moi, viens, j'arrive. Tu dis, on vient livrer des knackis, et du coup, ils te tirent pas dessus, ils attendent. Alors, j'ai cop, mais je peux pas réparer les copes en même temps. Mais là, ça va, mais si on se reprend un tir, ça va être compliqué. Ouais. Tout va bien, tout va bien. Alors, du coup, en fait, c'est batterie, le truc pour se souvenir de bâbord tribord. Et tribord, c'est à droite parce que ça commence par tri. Enfin, ça finit par tri, batterie. Voilà. Bas comme bâbord et tri comme tribord. Batterie. Voilà. C'est l'astuce. Waouh, ok, je viens de comprendre. J'ai cop, hein. Ouais, ouais, vas-y, on se fait défoncer allègrement là. Moi, je cloue les planches, hein. Ouais, c'est bien. Ok, j'ai raté l'escalier. Bon, faut en découdre là ou pas? Ouais, 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 je suis parti sur la tour là, je vais essayer de buter le squelette. J'ai jeté l'ancre, si vous pouvez relever les voiles ou si quelqu'un peut rapprocher le bateau de... Ah, moi je t'ai suivi dans l'eau, moi on a dit on va à l'eau. Pourquoi tu veux relever les voiles? Parce qu'il y a un galion qui arrive, déjà. Mais justement, pourquoi tu veux les lever? Ah oui, pour Ok, d'accord, j'ai compris. Et pour ensuite relever l'ancre, ok. C'est bon, je te suis. Enfin, je te suis dans l'idée. Ah ouais. Y'a un galion, t'as vu, y'a le requin. C'est quoi le requin? C'est le mégalodon? Ouais. Ah oui, il est là. J'ai un baril de poudre, moi. Ok, donc le galion, il va sûrement nous casser les couilles, hein. Je relève l'ancre en ayant relevé les voiles. Voilà. Nickel. Moi, je cache un baril de poudre en haut de notre mât. C'est vraiment très très lent quand t'es tout seul. Ouais, le galion est en train d'essayer de venir nous... Je le vois pas parce que j'ai pas fini mon tour de... Ah oui, j'ai l'impression qu'il vient vers nous, ouais. Tu veux que je lui tire dessus? Ouais. Bah ouais, vas-y, ouais, mais... Ah, il vient de se taper comme une vieille merde. Oh, voilà. Il en fait, là. Bah, il était pile en face, donc... Formons une alliance. Formons une alliance, nous venons en amis. On les croit, là, ou... Bah le mec s'appelle Anne Jackass. Et du coup on les croit ou pas? Bah... Ils vont quand même nous carotte les trucs, hein. Faut pas se mentir. Attends, c'est lui qui a essayé de me sniper là ou c'est des squelettes? Vraiment? Ah bah je sais pas, moi je demande, hein. Par contre notre bateau, même avec les voiles relevées, il part un peu en couille, hein, mais... Ouais, ils sont peut-être pas relevés complètement. Bah, en théorie. Il y a un autre bateau derrière nous, Pof. Ah ouais. Surveille bien là. Comment ça, derrière nous? Mais moi je parle à celui derrière. Ah non, là-bas! Oh putain, je viens de le voir. Non, mais je surveille, hein. Bah, si. Si vous voulez, j'ai un canon de poudre. Est-ce que je vais en mode sneaky près du galion allumé? Tu veux dire là où il est en train de nous regarder avec sa lunette là? Oui, bah. J'ai un canon de poudre, je fais quoi? Franchement, dans tous les cas, ils vont nous baiser à la récupération des coffres, faut pas se mentir. Ça marche comment les alliances là? Ouais, ça marche sur la confiance de. Ouais, donc ça marche pas quoi. Alors, sur le chat, on me propose, on leur dit oui, et après on va dans leur bateau et on les défonce. Ouais, ils sont plus nombreux. Ouais, est-ce qu'on est capable de faire ça? Non. Après, ils se font pas mal tirer dessus là du coup.
Et ils ont pas l'air agressifs. Ouais. Eh ben on va... Déjà il faut qu'on rapproche le bateau. Pour commencer. Et le bateau il tourne sur lui-même depuis tout à l'heure. Et ouais, l'autre bateau, vous l'avez vu ou pas? Il est parti où? Il est mort? Il est parti au loin. Oh putain, mais y'en a des squelettes! Bah oui! Bah oui, c'est un fort. Oh punaise! Vas-y, viens. Par contre, est-ce que notre cale se remplit pas là avec la pluie? Je vais vérifier. Je leur demande du coup, ok pour l'alliance. Elle se remplit. Ils doivent être anglais, enfin je sais pas s'il y a des français. Et s'ils sont roumains, ouais, voilà. Voilà. Mais comment, pourquoi il parlera en français? C'est un message préenregistré ce truc là? Bah ouais, c'est traduit dans ta langue. Parlez-vous français? Ouais. English? Ouais, il dit non. En fait, oui, bon, il se fout de notre gueule, ok. Non, non, il dit. Mais parce que c'est dans l'inverse. C'est... Il répond oui à English. D'accord. Jacob, hein. Non, alors là, je suis con parce que Jacob, chez nous. J'ai vu la scène, ouais, j'ai tourné la tête un peu trop vite. Mais en fait, il pleut beaucoup, hein. Oh putain! Oh putain! Salut Aldra, plus tard. Qui nous tire dessus? Le mec là, le... Non, c'est moi qui snipe des squelettes. Il y en a 42 dans le fort. Je suis mort. Vous m'entendez, qui dit? Je sais pas comment on fait pour parler, moi. Moi non plus. Mais toi, tu me fais depuis tout à l'heure, tu lâches les roues. Mais il est tout seul sur son truc, non? Il est tout seul sur un galion? Qu'on va bien se faire pigeonner comme il faut là. Je vais sur son bateau. Nous allons voir. Je me porte volontaire, ok. Est-ce qu'on se prépare à tirer au cas où? Mais non, est-ce qu'on ferait pas le fort tout simplement, les gars là? Ouais, mais on est pas assez fort pour le fort. Putain, en plus il pleut, c'est la merde. C'est un peu pète couille. Hein. Merde. Mais ça va, c'est pas pire que si je l'avais laissé. Je suis pas en train de rajouter de l'eau de la mer dedans. Mais comment, ouais, ils sont complètement nico, hein. Je suis, ouais, sur un marteau, ouais. Ils t'ont offert à boire? Attends, je sors ma chope. Mais du coup, en fait, comment il fait pour envoyer des messages là dans le chat? Oh, il parle anglais du coup. Mais du coup, tu peux leur parler en anglais? Je sais pas parler anglais, moi. Bah, je sais pas, dis-lui. Tu te fous ma gueule, tu sais pas parler anglais. Non, là, y'a des gens qui m'écoutent, c'est mort, je peux pas. Ils sont deux. Non, mais c'est bon, il s'est barré, le seul viewer que j'avais. Et nous, on peut se boucher les oreilles si tu veux. Attends, je tends ma chope de bière pour savoir s'ils veulent. S'ils veulent trinquer. Eh, c'est méga casse-couille de devoir écoper la pluie là. Bah ouais, j'avoue, mais non, on a pas le choix. Oh putain, je me prends tous les squelettes d'ombre là, faudrait quelqu'un qui ait une lanterne. Ah. D'accord, mais en fait personne fait le fort. Bon, faut qu'on se casse, hein, les gars. Ils sont deux. Attends, j'arrive à la lanterne. Ils sont deux, ils dansent sur le pont là. Bah peut-être qu'ils pourraient venir t'aider à faire le fort. Attends, bah du coup j'arrive, mais j'ai arrêté d'écoper donc prendre des tirs dans le cul. Et voilà, premier tir dans le cul. Ah putain, j'arrive pas à sortir la lanterne. Je suis mort. Merde. Y'en a un qui gueule Frenny là. Y a bah ouais, bah ouais, qui bourrine les squelettes, le Frenny là, parce que moi je me fais défoncer. Y'a, go go go. Yeah, go. Eh, je suis mort.
Ah mais Pof aussi est mort. Bah oui, je suis mort, ouais. C'est ce que j'ai dit quand j'ai dit je suis mort. C'est parce que j'étais mort. Ta gueule, toi. Attends, j'essaye d'activer mon micro. Divers. Non, je crois que je peux pas le faire. Faudrait que je relance mon truc de Shadow. Là, c'est casse-couille. Tant pis, je ne pourrai pas leur parler. Pas grave. Je vous fais confiance pour leur parler. Je vais écoper un peu parce qu'en fait, il commence à y avoir 10 cm d'eau. Donc, ce qui est pas énorme, hein, mais ça suffit pour satisfaire après, une femme. Si tu peux remonter les voiles complètement et remonter l'encre. C'est pas mal. Remonter l'encre. On fait le fort avec eux. Hein. Ouais, bah ouais. Elles sont déjà remontées les voiles. Mais nique ta mère le squelette. J'avais un tour de poudre dans les mains, il est arrivé, il m'a foutu un coup d'épée et on est morts tous les deux. C'est triste. Bon bah je remonte l'encre. C'est très lent. C'est très très lent. Je me fais un peu chier, hein. Ah c'est bon. Bon bah j'essaye de venir vous voir, mais je vais probablement mourir et j'ai oublié de prendre des bananes, donc finalement je vais chercher des bananes. Prends des munitions aussi. C'est pas con ça. Hein. Notre bateau tourne en dérive complètement. Ouais, en fait dès que tu lèves l'ancre, il se met à tourner sur lui-même. Mais parce que t'as pas mis la... J'ai levé l'ancre. J'ai levé les voiles. J'ai pas mis la barre droite. Ça va, c'est bon. Ouais, c'est qu'on sait pas dans quel sens aller, quoi. Mais si, c'est marqué, en fait. Il est marqué droit, pas droit. Où est-ce que c'est, en fait, le truc, là, pour les munitions, hein. Je les trouve pas. Putain, mais je ne comprends rien. À l'entrée du bateau, à droite, directement. Enfin, à tribord. Ok, à droite. Effectivement, je le vois. J'ai des munitions. Ah là, y'a la deuxième vague qui pop là. J'ai des munitions, je prends à bouffer, j'arrive. Y'a là maintenant, ici t'as la caisse de munitions là. Ah merde, putain, c'est des squelettes qu'il faut mouiller. Mais pourquoi j'ai que deux. Bah... Pourquoi j'ai que 5 bananes. Ah oui, 5 bananes, c'est bon. J'en avais lu 2. Où êtes-vous? J'arrive. Alors par contre, vous êtes de quel côté? Parce que si je suis tout seul, je vais probablement crever en 8. Non, on est au milieu, mais j'entends les squelettes, mais je les vois pas en fait. En fait, moi j'en ai vu sur le bord. Ils sont en haut? Il y en a un en haut, ouais. Il y en a plusieurs en haut. Attends, attends, je te rouiller tout ça là. Voilà, t'es rouillé. Pof, tu peux noter le nom du fort sur lequel on se trouve. Alors, où est-ce que c'est marqué? Sur la carte? Ouais, sur la map. Bah du coup, faut retourner dans le bateau. Ouais. Bon, bah je retourne dans le bateau. Sinon, le gars qui est amical, il est toujours très amical, mais depuis son bateau. Ah le bâtard! Salut Arthur sur le chat, donc... Bonjour Arthur. Ah attends, donc j'ai eu sur la... C'est toi qui te bats, Sylvain? Oui, oui, oui. Mais t'es où? J'ai failli buter le friendly d'ailleurs, là. Mais t'es où? Je suis retourné à la caisse de munitions. Bah y'en a une autour du truc, là. Il s'appelle Skull Keep. On peut s'en souvenir parce que ça veut dire qu'on veut garder les crânes. Tu sais, quand l'autre connard est... Notre ami, je veux dire. Ouais, quand tu nous auras baisé. Ouais. J'en profite pour écoper un peu le bateau parce que. Et moi je suis tout en haut du fort là. Y'a des squelettes ou pas? Bah je grimpe. Y'a rien, y'a peau de zebi. Hein. T'as essayé de grimper mais trois fois. C'est qui tire? Bah, c'est eux. Mais ils tirent sur moi tout là. En haut du fort. Non, parce que moi j'y suis tout en haut du fort, je te vois pas. Mais c'est bon, ils ont arrêté de tirer sur moi, donc c'était une erreur. Ah, ça a poupé juste en bas, Vincent, tu peux descendre, s'il te plaît? Parce qu'il
fout la lanterne. Et il a envoyé toutes mes excuses. Il faut la lanterne pour eux. Ouais. Ouais, parce que là je viens de me prendre une... Au centre du hall. Ah, très mauvaise idée, y'en a plein. Mais bah... Je sais pas du tout. Ah, je suis coincé. Je me ferai prendre complètement. Je me suis fait prendre contre un mur. Oh dear. Personnellement, moi, je me suis fait prendre en gangbang contre un mur. Ils m'ont coincé contre un mur à 4. Boukake quoi. Le gangbang. Le mec il repart sur son bateau là. Ouais, mais de toute façon, je crois que en fait à un moment donné il y a un capitaine qui pop et il faut le tuer, c'est lui qui a la clé du trésor. C'est un truc comme ça. Donc à partir du moment où on a la clé, si c'est nous qui l'avons, et ben on en tue un, quelqu'un va sur le bateau, lève leur ancre. Comme ça ils partent à leur bateau et puis Lève leur ancre, bah il faut quand même faut buter le bateau en fait pour qu'il ripop pas. Ouais, mais déjà pour qu'ils partent loin, tu vois. Qu'on ait un peu de temps. Non. Ouais, du coup, faudrait lever l'ancre, les faire partir loin et en même temps buter leur bateau. Ouais, ou en même temps looter. Donc c'est ouais. J'avoue, c'est foireux comme plan. Après pas forcément, il suffit de prendre des trucs explosifs là. Ok, bien joué. Bien joué, Bo. Bien joué. Ah ouais, d'accord, parce que moi je savais pas qu'en fait quand tu tapais sur les trucs explosifs avec une épée, ça explosait. Merci. Parce qu'en fait je m'attendais, je me disais, il faut pas tirer dessus. Mais je m'attendais pas à ce qu'une épée fasse exploser des tonneaux. Parce que c'est des tonneaux quoi. C'est pas Ah ouais. Moi j'étais à 2 mètres du truc que j'ai volé. C'est pas moi, c'est le chien. Ben c'est chiant parce qu'il faut faire gaffe de pas les tuer là les autres. Moi j'arrive, je te fous le tromblon à 2 cm de l'oreille. Le mec il a chanté au micro là. Il a chanté quoi? Il a chanté Friend, friend. Ouais, friendly, friendly. Bah du coup, attends, faut que j'en prenne de la bouffe. Car je suis mauvais. Ah mais non, j'en ai déjà de la bouffe. Mais j'ai l'impression qu'ils sont que deux, hein. On peut les enculer. Ah bah on est des pirates ou on est pas des pirates? Donc en fait, au début, on était pas chaud parce qu'on avait peur qu'ils nous enculent. Et puis finalement, on va quand même tenter de... D'abord un rapport sexuel non consenti. Oui, t'as encore eu chaud aux oreilles là. Il y a Mac Jacus. Et il y a l'autre, il est où? Parce qu'il y avait un mec sur leur bateau aussi. Ouais, je l'ai vu 2-3 fois. Alors, mais là, si jamais ils ont 2 tonneaux de poudre en haut de leur mât principal. Du coup, tu fais quoi? Tu les prends et tu les jettes devant le bateau et. À la proue? Ouais. C'est ça. Moi, je vois plus aucun squelette. Pourquoi j'arrête pas à monter? C'est pas vrai! Toi, tu colles l'autre au cul! Ah, ça y est, y'a la musique. C'est tout... Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis là? Tu vois, y'a Resp 21 aussi. Ah, donc ils sont 3, ouais. Y'en a un autre avec. Ah, là-bas, y'a des. Y'en a plein là. Mais parce qu'après, ils peuvent pas récupérer la clé en nous butant. Superbe, Vincent. Ouais, c'est la clé c'est un butin donc tu peux la piquer. En butant, donc du coup. Du coup, en fait, ils vont juste nous buter quoi. Peut-être. Mais Vincent, les mecs ils sont légendes et tout, donc ça va pas être le premier fort qu'ils font. Peut-être qu'ils niquent tout le monde tout le temps. Ah, ils communiquent entre eux et tout, les mecs. Ah, ils sont organisés, hein. Ah putain. Et eux, ils sont là pour gagner. Son of a bitch, my gold.
Pourquoi moi j'arrive jamais à tuer les squelettes? Ils sont 4 quand même, hein. Ouais, ouais. Et ils étaient pas 4 tout à l'heure. Ou alors ils se cachaient les autres. Ouais. Non, mais on va bien se faire mettre, je le sens. Yeah, I'm afraid we're gonna friendly fire each other eventually. Voilà, ils se disent qu'on se fait niquer la. On leur nique la gueule apparemment quand on tire. Ah, ah non, c'est lui qui s'excuse. Hein. Ils sont gentils, ils s'excusent. Ouais, c'est ouais. Sincèrement, mais comment vous allez nous enculer après? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous allez vous excuser après la, la pénétration anale? Hein, ça fait à peu près 16 fois qu'il répète la même chose, quoi. Oh, now we're really gonna get in dangerous territory, million people. Franchement, c'est faisable à 3 maintenant qu'on sait comment ça marche. En fait, ça fait 5 minutes qu'il répète tout le temps. Ah là là, on essaye vraiment de taper personne. Ouais. Peut-être que tout à l'heure, en fait, ils vont continuer à nous taper comme ça. Ils vont faire ah, on essaye de pas vous taper, vraiment désolé. Et ils vont nous défoncer comme ça. En faisant pardon, pardon. Oh, là, quel accident malencontreux. Eh merde. Ah. Lui il a pris une petite balle, il a fait. Bon, je suis vraiment pas très utile. Hein. Ah, j'ai failli le niquer là, je crois. Bon, le problème c'est que s'ils sont 4, on n'arrivera pas à les niquer. Hein. Bon, mais déjà, même à 2, c'était compliqué alors. Mais j'entends des squelettes, mais je les vois pas. Ils sont au milieu là, dans le hall du milieu. Ah, ils sont revenus en bas. Nique ta mère. Nique ta mère, le squelette. Je cours. Putain, moi je me suis paumé dehors du coup. Ah, ils sont dehors. Wow. Comment il m'a dégagé parce que j'avais pas de basket le squelette. Voilà. Ah bah il m'a buté l'autre. Ça commence, ça commence. Toutes mes excuses, ah ça y est, il commence à glisser un peu trop souvent là, ça va finir à la fin. Non mais là en fait, on était sur le même squelette, on l'a pris en sandwich, et en fait moi je l'ai fini, et du coup le coup d'épée de l'autre elle m'a atteint moi. Parce que je fais des trucs, des fois je tue des squelettes. Hein. Ah ouais. Une fois. Je me souviens. Je l'ai fait. Par contre ma bière est vide, donc à un moment donné il va bien falloir que j'aille me resservir. Hein. Est-ce qu'on sait ce qui va pop après ou pas du tout? Pas du tout là. Est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas? Non, non, c'est la première fois que je voulais pied dans un farm. Bah non, on avait déjà été dans un farm mais on était tout le temps mort au début. Ils s'en battent les couilles de la lumière, Sylvain. Tu crois? Non, bah... Ah, ils sont juste ultra rapides en fait, y'a pas besoin de les. Ils sont où les méchants? Non, le chien, tu dégages. C'est pas le moment. Allez, dégage. Ah, y'a le capitaine. Oui, bah moi aussi je l'ai dit, mais en français, ok. Ouais, c'est maintenant que ça se gâte, c'est ça? C'est maintenant qu'on est plus copains. Je me fais défoncer. Ah ouais, il a vu que j'essayais de tuer le capitaine. J'avais l'impression qu'il disait l'inverse, genre t'essayais de le niquer. J'ai ramassé la clé, j'en fais quoi? J'ai la clé. Mais sors.
Bah là on prend le bateau et on se casse. Et comme ça juste mais personne non, alpha. Juste une clé. Ouais mais la clé il faut ouvrir le truc et puis on se partage le. Est-ce qu'on va vraiment se le partager? Pourquoi il y en a deux qui sont morts? Vous avez buté ou quoi? Non. Qu'est-ce que je fais de la clé Sylvain? T'as la clé bien ça? Oui regarde je suis derrière toi. Et bah vas-y viens là regarde. Ah. Ah bah du coup j'ai gagné un grade. C'est lequel le plus gros Sylvain? Celui avec les dents là devant toi là, le coffre de place forte. Celui-là. Du coup j'ai gagné plein de badges à la con et de réputation. Bon, va dans le. Grab and go. Ok ils sont friendly ouais. En fait hein. Ils ont l'air. Bah du coup je sais pas qu'est-ce qu'il faut prendre, on prend quoi? Le plus truc qui a l'air plus beau. Ouais, prends les trucs avec des os dessus et, ou doré ou. J'ai pris un truc doré, c'est le coffre oh, du maraudeur. Fais gaffe, il y a un mec dans l'eau proche de notre navire là. Ouais. Je reste dans le navire? Ouais. Voilà. Et il a dit oh, et. Ils nous ont fait péter les fils de pute là. Oui, ouais. Et ils nous tirent dessus. C'est prévisible en même temps. Hein. On était sur Skull Keep. Vas-y, fous les voiles Sylvain, on essaie de se barrer. Je suis sur le bateau là, je vais sur leur bateau là. Le bateau il est mort mais hein non, de mais façon. Ça sert à rien putain, on coule. Bon, il m'a buté. Bah l'ambiance. Ils jouent s'ils aiment qu'ils aiment. Putain, bande de fils de pute. Monte en haut de leur truc, ils ont un baril de poudre. Ah d'accord, il y a un gars qui dit. Et du coup, en fait, juste on les poignarde dans le dos comme ça, complètement. Et puis le gars il fait ouais. Vous en êtes où, vous? Je suis dans une auberge. Vous avez ripopé là? Parce que moi, en fait, je suis toujours là-bas, j'ai un coffre dans les bras. Mais ils sont toujours là, par contre. Tu te rappelles du nom du fort? Oui, c'était Skull Keep. Oh là, je me suis suicidé en foutant un tonneau. J'ai coulé leur bateau, je pense. Sérieux? Ouais, ils sont un peu dans la merde, là. Bah, ils vont avoir une sirène, non? Ou un truc comme ça? Bah ouais, mais s'ils peuvent pas ramener le butin... Ouais, mais du coup, ils vont quoi? Ils vont ripoper sur une île? Putain, c'est vraiment des fils de pute, quoi, parce qu'on a pas... Je sais pas trop si t'as coulé leur bateau, parce que là, je suis pas loin de leur bateau. Ah oui, ils ont une sirène. Ou c'est ma sirène, ça, peut-être. Ouais, pas bien. Bah, je leur ai fait mal, quoi, le tonneau, mais... Bah, pour l'instant, ils sont Skull toujours debout. Skull Keep, tu disais, hein. Skull Keep fort, c'est ça? Ouais, c'est ça. Skull Keep, ouais. Moi, je traîne un peu à côté, mais en me cachant. Ils sont toujours là. Parce qu'après, ça sert à rien de venir s'ils sont là, quoi. Ouais. Non, mais t'es dans l'eau, du coup? Je suis dans l'eau, je tourne autour de l'île. Ouais, tu vas te faire bouffer par un requin, quoi. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de requin, donc... Skull Keep, ok, j'ai. Après, je peux essayer de remonter sur l'île et de me cacher sur l'île, mais on va se voir, quoi. Enfin, là, je pense que déjà... Ok, il m'a vu, il a dit il y a une personne qui est vivante et là il me tire dessus donc. Ah non, je suis mort. Par contre, on peut y aller et les défoncer parce qu'ils sont pas encore partis. Ouais, mais c'est où Vincent, quel cap? Fallait tout tourner à droite un peu. Parce que eux ils ont un gars qui est mort là, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un problème. Tu tournes à 90, tu vas au cap nord-est. Nord-est. On est loin ou pas? Ouais. Mais... We've got a brigantine. Si on en profite pour répondre à mon chat, ça va Arthur et toi? Bah non, ça va pas là, on s'est fait enculer. Bah ça va pas en fait, on s'est fait enculer. Et toi? Là, tout droit. Tu t'es fait enculer Arthur? Parce que nous, oui.
Mais ils étaient encore là-bas, il y avait un des gars qui était mort, donc il y a peut-être une histoire, un truc à faire. Peut-être qu'ils sont... Putain, mais je suis dégoûté, j'aurais pas dû trop me rapprocher. J'aurais dû rester vraiment caché. Mais par contre, en fait, il voyait la sirène, donc il savait qu'il y avait quelqu'un qui était encore en vie. Parce que c'est ce qu'il a dit quand il m'a vu. Il a dit, ah ouais, mais c'est pour ça qu'il y a la sirène. Il a dit, oh, this is because there is the sirène. Ou un truc du style. Sinon, le chien, tu peux arrêter de pleurer pour attirer l'attention? Je suis occupé. Cordialement. Putain, mais le pognon qu'il y a dans un fort, quoi. Ouais, c'était vachement sympa quand même que le gars il fasse. Ah, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? On partage comment? Tout ça pour essayer de. Enfin, pour pas essayer et réussir à nous niquer derrière. Ouais, mais c'est vraiment cette petite pute. Mais du coup, il est où le fort? Il est loin. Parce que là, je le vois pas. Ah, oui, d'accord. On navigue en sa direction. Bon, escale 2 secondes. Ouais, mais là il est vraiment très loin, je sais même pas si on va ici, il sera encore là ou pas quand. Ouais, peut-être, ouais. Quand on sera là. On a la vent dans le dos et un brigantin ça trace quand même. Ça trace un brigantin? Ouais. Regarde, on est déjà à Stephen Sports. Ah oui. Je réponds vraiment pour te faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a le chien? Qu'est-ce qu'il veut? Il est pas content? T'es pas heureux là d'être là et que personne s'occupe de toi? Tu devrais être heureux. Tu sais, il y a des chiens qui meurent de faim dans le monde. Alors que toi, on t'emmène chez le véto 2 fois par mois. Putain, comment on s'est fait enculer, ça m'énerve. Bah. Enfin, ça aurait été vraiment très étonnant qu'il nous encule pas. Ouais, ouais. Mais tu vois, moi, je crois encore à la bonté humaine. Bah, j'ai voulu y croire aussi. On aurait pas dû. Non. On est loin, là, encore ou... Non, franchement, on avance. Ah ouais, on est quasiment à mi-chemin, là. Non, bah, on va y arriver, hein. Ah, et ben merci Orange Mustang pour le follow sur Mixer, une super plateforme que personne ne connaît en France. Ouais, j'avoue. C'est la plateforme de Microsoft. Ah non, c'est un bateau squelette qui est en face. Je sais pas du tout. Ou alors c'est eux qui sont en train de repartir du fort. Par contre, si jamais on me parle sur Mixer, j'ai pas du tout le chat, il est bugué en ce moment. Ok, donc c'est un bateau squelette et il y a un galion. Je suppose que le galion qu'on voit, c'est eux. Alors, il y a un bateau squelette à côté. Ça va pas être un peu la merde, ça? Ouais, ça va être la merde, mais... Je vois leur galion, toute voile levée, ils sont encore amarrés au fort, en fait. Normalement, le galion squelette, je crois que depuis la mise à jour, il attaque plus automatiquement. Il attaque que quand on l'attaque? Ouais. Après, peut-être qu'ils vont l'attaquer eux et on va pouvoir profiter plus ou moins d'une diversion, quoi. Oui, ah, mais eux, ils sont vraiment en train de se barrer, quoi. Ça y est, ils ont décollé du fort? Ouais, ils bougent, là. Et ils s'éloignent, en plus, donc du coup, ils viennent pas du tout vers nous, donc on peut pas les couper, quoi. Si, si, ils viennent plein sur nous, là. Mais non, ça, c'est le truc pirate. Non, derrière, regarde. Bah oui, mais derrière, ils sont en train de s'éloigner, ils sont pas en train de venir. Hein. Tu trouves qu'ils sont en train de venir, toi? Attends, parce que là je les vois plus, il y a des grosses vagues, mais. Ah si, ils sont en train de faire. En fait, ils ont fait un virage et là ils viennent. Ouais. Bah, faut les couper. Après, on va mourir, mais. Ouais, on les suit jusqu'à l'avant-poste. Attends, non, en fait, ils s'éloignent là. Ils vont à l'avant-poste là. Ah, ils vont à l'avant-poste juste après, Galleon's Grave, obligé. Donc, bah, très bien, on va les. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire à l'avant-poste? On coule leur bateau? Bah, on monte discrètement sur leur bateau et on chope les coffres qui coûtent cher. Ouais, mais après, une fois qu'on a les coffres, on n'aura jamais le temps d'aller les poser avant qu'ils nous butent. C'est vrai, mais on les ralentira. Du coup, juste on leur cassera les couilles, mais ça sera sans aucun effet sur le long terme. De quoi? La voile à l'avant, elle est bien orientée ou pas? Attends, je vais vérifier.
Mais t'es en train de vérifier. Je vais vérifier l'arrière du coup. Mais tu viens de le faire sûrement. L'arrière elle est bonne. Non, elle est pas bonne. Là elle est bonne. Putain, je vois pas le. Tu les vois encore ? Ah, ils sont déjà à l'avant-poste, ils sont déjà à l'avant-poste, je pense. Là il y a un galion garé donc ça, c'est probablement eux. Putain, faudrait que Vincent soit là, là. Je fonce sur eux, rien à foutre. Bah vas-y. Hein. À la limite, si on peut les tamponner. Mais on va les tamponner, on va les tamponner. On va les tamponner ? Alors du coup, je prépare qu'on leur lance 2-3 coups de canon quand même. Enfin, 2 coups de canon parce qu'en fait, on n'a pas le temps de recharger. Genre, tu les tamponnes. Avec de la chance, ça va nous faire un peu bousculer. Et je pourrais tirer avec le canon. Et après, on saute. Et on rentre dans leur truc. Et on les défonce. Et ils nous défoncent. Et ensuite, on est déçus, comme d'habitude. On non, fait ça ? Je saute direct sur eux. Donc si tu peux canonner, canonne. Je vais faire ça, mais alors faudra que tu diriges quand même la barre vraiment sur eux, quoi. Ouais, le problème c'est que je les vois pas. Ou dans leur cul ! Tu les vois pas ? Ouais, bah ils sont à gauche, là il faut que tu tournes à gauche. Ils ont le temps de prendre les plus gros trucs, là. Faut que tu tournes à gauche, là. Parce que là, t'es complètement trop à droite, hein. Soy la rotora. Occupe-toi de la voile, Vincent. Alors là, en fait, notre plan, Vincent, c'est on va leur foncer dans le cul et je vais tirer deux coups de canon si j'ai le temps. Enfin, si on est bien placé. En leur fonçant dans le cul. Le but premier, c'est de leur foncer dans le cul. Hein. Et si jamais on fait un espèce de détour et qu'on se retrouve à pouvoir tirer dessus, bah, on leur tire dessus et après on saute dans leur bateau et on les défonce. Voilà. Ok. Mais là, tu leur fonces pas du tout dessus, hein. On est beaucoup trop à droite. Ouais, mais attends, t'inquiète. T'en fais pas, il va y avoir choc. Y'a plus de boulet là ? Ouais, ça me va tout neuf. Là, par contre, je vois pas, je suis sur eux ou pas là ? Non, faut que t'ailles plus à gauche. Vraiment plus à gauche et assez rapidement d'ailleurs. Et alors, on tire dessus ou pas ? Je suis un canon. On pourra pas, on arrive de face. Et là, là, je pense que c'est bon, tu vas leur arriver dessus, mais si tu... Y'a des mecs qui montent dedans. Ils montent tous dedans. Ouais, bon, on n'est pas du tout dans le bon sens. Ils montent sur le côté gauche. Ah putain, j'ai pas eu le temps de tirer le canon, c'était pas les bons canons qui étaient chargés. J'ai cru que ça allait être dans l'autre sens et c'était pas le bon sens. On s'est fait niquer. Ça marche pas cette échelle cinéma ou quoi? Non, ça marche pas. Ils y sont. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah moi personnellement je suis mort. Il va monter mais... Putain, y'a le requin, le fils de pute de requin là. Ah, y'a un requin en plus? Ouais. Mais le gros ou les petits? Non, petit mais bon. Je suis en train de respawn, mais je sais pas si je vais avoir le temps de faire grand chose. Qu'est-ce qu'on fait si je suis en panique là? Ah putain, mais il m'a buté, merde, il est trop content, il m'a vu. Le mec il s'est suicidé sous le bateau. Putain, je me suis bouffé par le requin. Ouais, enfin ils sont en train de nous couler à moitié, mais. Ah ok, d'accord, non, ils sont en train de nous couler complètement. Non, mais y'a un mec qui a été se suicider avec un tonneau de poudre sous le bateau. Ah, mais il est dans le bateau, donc là il va me tirer dessus, voilà, parfait. Ouais, tu vois, y'en a deux qui sont morts. Hein. Ok, je suis mort. Bon. Ça tourne mal. Ah mais non, j'étais pas mort, putain. Bon, je suis mort maintenant. Et le bateau est mort aussi, hein, donc on est mort. Ah mais notre bateau a coulé ? Ouais, il vient de couler à l'instant. Et il se fout de ma gueule, en plus il balance Formon et Alliance, mais quel trou de balle. Moi je suis sur une île avec des cochons. Hein. Ah ouais, j'entends des cochons. Bon, ça m'a saoulé là. Bah ouais, va chier quoi. Faut rien faire quoi. Perbe une quête.
Qu'est-ce qu'on fait? Là, You Galleon's Grave, il est tout là-bas, ouais, bah laisse tomber, on est vachement loin. Ouais, puis de toute façon, ils sont... est en train de se barrer, hein. Ils organisent que nous, hein, dans tous les cas. De toute façon, oui. Eh ben, on s'est bien fait enculer. Alors, attends, est-ce qu'il n'y a pas un fort d'actif où on serait tout seul? Parce que franchement, ça se fait, hein, mais... Là, bon, il y avait des gens, quoi. On a été trop idiots pour croire... Y'en a pas, y'a pas un bateau squelette, hein, un truc là. On aurait dû les enculer nous. De quoi? On aurait dû les enculer nous. On aurait dû en fait attendre qu'il y ait le capitaine et pendant que vous faisiez ça, moi j'aurais dû aller retourner et leur tirer dessus avec le bateau ou une connerie comme ça. Voilà. Ouais, j'avoue. La prochaine fois on fait ça. C'est fou de pas pouvoir faire confiance aux gens quand même, merde. Ouais, pas faire confiance aux pirates. Ouais. On voulait pas les enculer nous aussi à la base? Bah, je sais pas, ça se passait bien et tout, et voilà. Naïf, naïf. Je vais peut-être aller fumer une clope moi pour digérer cette déception. Moi je vais peut-être aller. Comment ça tu vas arrêter? Bah ouais, si tu vas fumer, je pense que j'aurais été. T'es fou. Tu vas fumer aussi? Non, mais 10h30 là, on se fait violer comme des sales. On a abusé de notre confiance. C'est relou. Est-ce que tu serais pas déçu par hasard? Moi, je suis totalement désappointé là. Je sens de la déception. Ah ouais. Il y a eu enculerie là. Putain, en plus on avait la clé quoi, on aurait dû se barrer. On aurait vraiment été... Non mais il me suivait, hein. Il m'aurait buté. Hein. Ouais mais en même temps ce serait barré, on aurait fait quoi? Super, on a une clé. On aurait jeté en pleine mer, il aurait jamais retrouvé. Ouais. Comme le père Foas. C'est ça. Quel con. Bon t'arrêtes du coup Vincent? Bah ouais je pense, ouais j'arrête. Oh la déception. Parce que là un brigantin à deux on va trop galérer pof. Bah soit on passe sur un sloop, soit on passe sur PUBG. On se passe sur PUBG. Soit on va se coucher aussi hein. Ou soit on va se coucher aussi, ouais. Putain fait chier, j'aurais bien aimé gagner plein de pognon là. Ah, y'a un fort là-bas! Qui vient de se déclencher en plus. Cool, on se fera enculer par qui cette fois? Alors, on peut aller voir déjà, c'est des gens. Tu t'es déco Vincent ou pas? Non, je suis toujours là. On va voir. Ouais, mais il est à quelle distance ce fort? Il est pas loin, je pense. Parce que le nuage est assez gros là. Eh ben allez. Bon, bah du coup, je lève l'ancre. Après, si ça se trouve, au début, on en voyait que deux, parce que justement, il y avait deux gars qui gardaient le bateau au cas où. Bah ouais, mais non, mais c'est ça. Ouais. En fait, c'est des connards professionnels, je pense. C'est des nuages à gauche, là, tu veux aller? Il est méga loin. Hein. Mais non, il est sur la droite, le nuage. Hein. J'en vois un à bâbord, un tribord, je vois que dalle. D'accord, on parle comme des marins, man. Alors combien de se faire souiller? Comme des marins. Attends, je l'ai perdu en fait. Non, il est à gauche. Ah ouais, il est là-bas, ouais. Il est à bâbord. Bâbord. Qui tire? C'est moi. Et pourquoi donc? Quand je suis vexé, je tire. Tourne. Ça doit être Skull Keep encore, putain, c'est le même. C'est pas possible. Ou Liars Backbone, je sais pas. Bah ça a l'air hein. Je vois plus rien avec la voile là, donc je vais peut-être foncer dans l'île. Remets-toi droit. Non, tourne encore ta barre à droite, encore un tour. Il y a deux tours à faire sur celle-ci.
À droite, hein. Donc là, tu nous fais foncer dans un. Oula, non, c'est bon. Je ne vois rien en fait, voilà, je vois que la voile. Remets-toi droit, remets la barre droite et t'es bon. Là, stop, bouge plus. Touche plus à rien. Ok, il y a deux tours à faire du coup. Ouais, bon, il faut que tu refasses un tour à gauche parce que je pense que tu vas pas droit. Refais un tour à gauche. Là, est-ce que tu tires droit maintenant? Bah, normalement, je suis droit si. Ok, donc maintenant, tu fais un tour à gauche. Ah, mais vas-y, il l'a pris. Vas-y. Ah, juste un tour à gauche, hein. Garde-le ton tour. Oui, c'est bon, c'est bon. Et maintenant, reviens droit. Voilà. T'es sûr? Parce que là, on a l'air de foncer un peu dans le caillou quand même. Ouais, moi, j'aurais mis encore un peu à gauche. Mon œil d'expert me dit qu'on fonce dans le caillou. Ouais. Je suis un expert en caillou. Hop. Par contre, en fait, à mon avis, on va aussi se taper. Se taper une île avec plein de rochers là, les rochers qui montent en. Parce qu'à mon avis, c'est pas ça le fort, hein. Il est derrière. Oui, oui. T'inquiète, je vais esquiver tout ça. On passe très près du caillou quand même, hein, mais ça va. Non, non. Oh putain, nique ta mère, on va sur. C'est que cul là. Bonjour. Ça a l'air d'être Skull Kill encore. Hein. Skull Keep, ouais, je pense. Ça peut être que ça, hein. Le problème, c'est que les gars, ils sont ressortis du fort, du. De l'avant-poste, ils ont revu le fort, ils vont y retourner, ils vont nous dire vous voulez faire des. Par contre, je crois qu'il y a un bateau pirate à droite du truc. Non, non, ouais, ouais, mais c'est eux encore, je suis sûr. C'est pas un bateau pirate, ça, c'est un galion? Bah. Non, je vais te dire ça, ouais. C'est un galion qui attend, putain. Ils sont planqués derrière les cailloux, ils attendent que quelqu'un aille faire le fort. C'est moi ou c'est une tempête, ça? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Tu penses que c'est eux? Je suis quasiment sûr que c'est eux. Ils sont en train de. Éteindre nos lanternes! Ok. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a deux à l'avant, une à l'arrière, c'est tout ou il y en a d'autres? Ouais, après c'est en cale, mais on s'en fout, je crois. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont toujours là-bas, ces fils de. Ouais, mais bah ils ont pas bougé. Ouais, mais je suis sûr que c'est eux, ils attendent que quelqu'un aille au fort et puis après ils arrivent et. Ils font hé, hey, vous voulez faire une alliance? Une alliance du cul? Alliance du viol? C'est pour une alliance puis une sodomie. C'est un fort ou des bateaux à gauche? Voilà, ils vont nous voir. De toute façon, on passe juste à côté d'eux. Donc. Ouais, mais les mecs, je sais pas s'ils se cachent ou pas. C'est un bateau squelette, c'est un bateau squelette. Ouais, c'est bouffé. Ouais, les voiles sont bouffées, c'est un bateau squelette. Oui, on va lui niquer sa gueule. Non, non, on n'a pas assez de boulets, on a rien là, on va au fort. Hein. On est des boulets. J'ai déjà fait la blague, non? Ouais. Le fort elle marche bien quand tu la répètes 100 fois. Bah, je vais la répéter 90 fois de plus alors. Je pense qu'il faut que tu tournes à gauche parce que là on fonce dans le caillou. Non. T'inquiète. C'est Sharkfin Camp. Le fort. Sharkfin Camp? Yep. Parce qu'on a passé ce que le clip. On passe très près quand même. Hein. Est-ce que c'est pas maîtrisé? C'est maîtrisé, mais je serais assureur, je serais pas confiant. Wouh! Et là à droite, là c'est pas un galion ça? Là voilà, c'est bon. Hein? À droite, c'est pas un galion ça? Non, c'est un bateau squelette. Non, 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 c'est le galion, je suis sûr que c'est eux. À droite? Ouais. Au nord-est. Ah ouais. Y'a un galion là. Que c'est des joueurs, ça. Attends, mais j'ai pas de boussole. Mais il file vers le fort, hein, de toute façon. Ouais. Bah oui, oui, bien sûr. Au nord-est. Là, il est caché par l'île en fait. Ok. Moi, je vois des tétons. Là, regarde, il sort de l'île là. Regarde vers où je suis orienté là. Là-bas, on le voit. Ouais, ouais, je regarde, je le vois. Je
Putain, mais ils sont trois fois plus rapides que nous en plus. Bah, c'est un galion. Je me demande s'il y en a pas un autre en face. Non, c'est lié. Putain, mais c'est pas vrai quoi. On est deux bateaux sur la map ce soir et les mecs ils viennent nous casser les burnes. On en parle du caillou qui m'a frôlé le bateau ou pas du tout? Ou on continue à jouer de la... Lequel va frôler le bateau? Je vois pas de caillou. Tu as des cailloux toi? Ouais. Ouais ouais. En face là? Ah oui, en face il est peut-être ouais. Un peu proche. Mais non. Non, ça passe. On va peut-être péter un mât mais... Non, ça passe pas, ça passe pas. On va péter un mât, c'est tout. Mais sinon, je veux dire, le bateau lui-même il passe. Si t'enlèves les mâts, ça passe. Là ça passe. Ouais. Bon bah il va clairement sur le fort hein, le bateau hein. Ouais ouais. Et j'entends plus ma musique moi en fait. Vous l'entendez là que je joue ou pas? Là on t'entend pas non. Non. Non je t'entends pas que tu joues. Bah parce qu'on a la musique du... Du fort. Waouh. Deux boulets dans notre gueule mon gars. Je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau et j'ai pas réussi à vous rattraper. Bon bah je fais comme je peux. J'arrive. J'ai jeté l'ancre comme un fou hein, pour pas qu'on se mange le fort. Ouais mais alors du coup on continue de se faire tirer dessus, on n'est pas assez près. Exactement, on prend la grêle. Je nage vers le fort. Je suis en train de niquer le mec qui me tire dessus. Eh bien c'est une bonne chose. Bah alors dans ce cas là je rentre dans le bateau, je vais commencer à écoper. Si tu n'as pas déjà ouais, commencé. Parce que, oh j'arrête pas de prendre des poupées en répétition là. Je te laisse faire le charpentier. On peut pas tirer sur un... Ah, je vais leur niquer leur bateau là moi. Je veux bien que tu, je veux bien que tu niques les gens qui nous tirent dessus en fait. Ah oui mais en fait c'est eux qui nous tirent dessus donc je veux bien que tu niques leur bateau. Je suis en train de leur faire très mal là. Est-ce qu'on a pas un... On en a plus du tout des boulets là magiques du cul. Non, rien du tout. Bon bah je vais écoper. Bon je peux tenter de leur tirer dessus. Vas-y. Bon ils sont tombés à deux sur moi. Ouais, j'aurais mis 10 boulets de canon dans la gueule, j'aurais mis. Mais en fait non parce qu'ils sont pas du tout bien orientés pour qu'on leur tire dessus et par contre là on se prend le cul par je sais pas quoi. 10 boulets de canon sur la ligne de flottaison. Ouais, genre, le mec il me met une balle, je le tue, il me tue pas. Ok, y en a un qui s'est jeté. Ah, mais c'est les mêmes que tout à l'heure, mais nique ta race. Oui. Ils sont dans la tour, ils me cassent les couilles. Ouais, j'avais pas compris que c'était les mêmes que tout à l'heure. Qu'ils aillent se faire enculer là. On peut pas report les gens? Slash report. J'ai entendu Airship Guns et. Et j'ai un écran noir. Ah ok, je suis dans l'eau. Putain, si je pourrais essayer l'enculer lui. Ouais, ça fait chier qu'on soit trop nuit en PVP quoi. Parce que là, du coup, on peut rien faire en fait. Bah ouais, mais bon. Aller creuser des trous dans le sable et trouver des coffres. Yes, il se fait bouffer par le requin. Ouais. On doit respawner pas loin parce que je les entends toujours donc. Ouais, pareil, il dit ah, ils vont nous reporter. Ah, ils sont out of bullets. Ils veulent qu'on me finisse. Et moi, j'ai un écran noir là, donc je sais pas ce qui se passe. Ah ouais, non, on est sur une île. Le jeu lui-même était pas sûr. Ouais. Ah, effectivement, ouais. Et je pense que ça va être trop compliqué de t'en rejoindre, non? T'es où toi, Vincent? Bah, je viens de me faire décéder. Ah mais je l'ai tué aussi. On s'est auto-tué en fait. Ah c'est con hein. Il est là. Resp 21 est avec moi.
Et c'était quoi du coup là? School Keep, ouais, bon, on est à l'autre bout de la map, là ça m'a saoulé. Bon, on live? On pourra pas revenir sur eux là. Enfin, si on pourrait, mais bon. Bah, ça sert à rien, ils sont 4, ils sont trop organisés. Attends, y'a un fort à gauche par contre là. Ah, bah c'est celui-là, ok. Ouais, ouais, non, eux ils savent jouer, pas nous. Là, ça sert à rien d'aller. Mais j'arrive pas à quitter la carte, Nick Taras. C'est bon. C'est violent le Nick Taras. On sentait la violence là. Mais parce que ça faisait 2 minutes que j'appuyais sur échappe et tout, ça marchait pas. Bon. Vous abandonnez? Bah ouais, du coup là. C'est le dépit le plus total. Faudra se retenter un fort, mais quand on est tranquille quoi, parce que là. Qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher ou on passe sur PUBG si tu veux? Bah moi déjà je vais fumer une clope. Et 21h35, ouais bon au pire on arrête là. 22h35. As you want. Ouais ouais non. C'est de l'anglais, ça veut dire comme tu want. C'est le générique de fin. Hein. Ah, allez. Peut-être qu'on est bon en musique aussi. Hein. Il faut de l'accordéon. Voilà. Allez, on fait la ronde. Allez. On est quand même bien meilleur là-dedans. Ah ouais. Nous, on est spécialisés dans le fun. Nous. En fait, on a. On a des armes de troubadour, quoi. En fait, faudrait que on achète un simulateur de groupe de musique. Un rock band quoi. On serait pas mauvais. J'ai tué un serpent les gars. Waouh. Y'a une poule là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Il est où? On a les kickers, on a les kickers. Mais c'est quoi? Je comprends pas ce que vous faites. Hein. Bah, on a plus de balles. Le clac 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 clac. Et c'est ça en fait. Oh le poulet. Ils sont résistants ce putain de poulet. Est-ce qu'ils sont ça, pas immortels? Bon, ouais, bah, sur ce, moi je vous dis une bonne nuit. C'était bien rigolo, on s'est bien fait violer. C'est une honte. Franchement, nous sommes un piètre équipage. La semaine prochaine, on fera. Il faudrait qu'on mette des techniques en place, ce serait pas mal quand même. Je pense qu'on peut partir sur un truc en do mineur et ça pourrait faire pas mal comme. Un ut majeur. Voilà. Oh ben voilà, c'est pas mal celui-là. Ça c'était pour conclure ça. Allez, sur ce, au revoir. Bonne nuit. Allez. Ciao pof. Eh ben du coup, samedi. Oh, bah du coup, samedi, ouais. Faudra qu'on se dise où. Et quand? Ouais, faut qu'on se rejoigne, je sais pas quand. Mais en fait, est-ce qu'il va pas y avoir des manifestations? Je suis en train de me dire. Bah, je sais pas, on verra bien. Après, le truc, c'est que toi, comment tu vas venir? Tu vas venir en voiture? En métro. En métro, ouais, bah en métro, ouais, faudra que tu regardes s'il y a quelque chose, quoi. Ouais. Parce que je peux peut-être me faire baiser. Sinon, Sophie m'emmènera. Je sais pas où c'est la fabrique là, je sais même pas ce que c'est. Bah, c'est au même endroit que la dernière fois là, c'est juste en face du George and Dragons en fait. Ok, vers la fac là-bas là? Ouais. Ok. Bah, là où elle était venue chercher la dernière fois en fait. Bah, c'était. Ah oui, mais c'était au George. Ouais, bah en fait, c'est en face. C'est vraiment genre, il y a 5 mètres à faire. D'accord, ok. Ah mais parce qu'on se retrouve là-bas et lui il croit qu'on n'est pas là ou non? Je sais pas du tout, je sais pas comment ils ont organisé ça. Et tu vas au resto du coup aussi? Ouais. Ok, moi aussi nickel. Ok bon ben on se tient au jus et puis voilà. Ouais, et ben écoute, bonne nuit. Bonne nuit, à samedi. À samedi. Ciao. Ciao. Alors, comment on me quitte? Eh ben je sais pas, je regardais moi-même. Ah oui, c'est là. Ah,
Bon, alors où est-ce qu'on en est de ce... Ah, attends, parce que j'essaye de trouver. C'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. Donc ça, ça marche pas. J'essaye de trouver en fait le bon binding de touche là. Oh, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, faut que je fasse comme ça. Merde, ça marche pas. Ok. Je ne suis pas sûr de ce que je fais. Je n'en ai aucune idée. Du coup, on va probablement s'arrêter là ce soir, puisque mes compagnons de jeu sont partis. Donc, je vais vous laisser et je vous remercie d'être passé, de m'avoir regardé. Et et merci, bonne soirée à vous. Et à bientôt. Je viens de voir que je pouvais réparer le chat de Mixer. Ah non, il est cassé, hein, c'est bien ce qu'il me disait. À bientôt.